Après avoir réduit l'univers entier en esclavage, l'Empire Lexos et à sa tête le terrible Gloomanshu projette aujourd'hui d'envahir la Terre. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait tout prévu en construisant en 1889 une tour dont l'alignement des structures reproduit de puissants totems d'exorcisme et protège ainsi notre planète de toute intrusion extraterrestre. Ne pouvant débarquer qu'en petit nombre sur le sol terrien, les Lexos vont désormais tout tenter pour détruire l'œuvre de Monsieur Eiffel. Mais quelqu'un veille sur nous. Droite, plus vite, plus fort. T'as rien dans le ventre, ma parole. Allez, mais quelle mauviette. À table. Allez, approchez. Hey, on a besoin de toi par ici. Alors les Lexos, on n'a rien dans le ventre. En combat, on reste concentré. Allez, Ultra, Gamon Blade. Et voilà. Allez, go baguette. Et qui remplit. C'est tout ce que vous avez. Dis donc, ils n'ont pas la forme aujourd'hui. Oui, c'est plus que c'était. Encore une victoire pour le grand, le magnifique Albert Dumas. Paris brûle-t-il? La menace s'appelle Sakaral. Ce n'est pas naturel, ça doit cacher quelque chose. Fantastique, il en reste plus un seul. T'as vu ça, Antoine? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Nous n'avons plus rien à faire ici. Rentrons à la base. C'est moi ou ils étaient très faibles aujourd'hui? Je sais pas vraiment.
tout cas, on dirait qu'ils font la grève en ce moment. Je préfère affronter 10 France 5 plutôt que de me retrouver à nouveau sous ses ordres. Ne me dis pas que tu as peur du petit Junior, toi le plus grand guerrier de sa majesté. Allons voir Duke, on s'enrhume. Tu m'as manqué, valet. Moi aussi, maître. Salut, Lu Manchu. Oh, mon père, dans le seul nom fait trembler l'univers. Ah, mon fils, cher de ma chair, je te retrouve enfin après toutes ces années passées à soumettre des créatures inférieures. Je suis aussi venu que le jour où tu as décapité tes 18 frères. J'ai accouru aussitôt votre appel entendu, père. Mais quel est ce scélérat qui ose tenir tête à l'empereur de l'univers? Mon fils, tu n'es pas sans savoir que nos forces ont diminué sur cette maudite planète. Un escadron italien parvient à tenir en échec nos meilleurs soldats. Nos meilleurs soldats. Père, ces stratégies alambiquées n'ont que trop duré. Je propose une éradication pure et simple du problème. La seule manière de détruire cet insolent totem consiste à en contourner les défenses pour en frapper le cœur. Mais nous n'avons pas... Mais tu fais... Mon fils, je t'en connais bien là. Si je puis me permettre, vous oubliez les France Faille, monseigneur. Tais-toi, inconsciente. Me contredire, c'est mourir. Bien. Puisque maintenant nous sommes tous d'accord, vous allez vous charger des détails de mon plan infaillible. Quant à moi, je me réserve les France Faille. Pyrostrum ! Margarine, peux-tu envoyer l'image suivante, s'il te plaît ? Oui, professeur. Et comme vous le voyez, les trois dernières régions qui abritaient encore des bases ont été facilement nettoyées ces derniers jours. Il s'agit d'une victoire flagrante. D'ici à quelques jours, il n'y aura plus aucun Lexos sur la Terre. Cette bonne nouvelle devrait nous réjouir et nous encourager. Mais je pense qu'il s'agit là plutôt de signes alarmants. Bien sûr, ils pourraient se replier et frapper plus fort encore. Tout à fait. L'analyse du ciel présente des mouvements inhabituels dans notre système solaire. La possibilité qu'ils fassent appel à des renforts n'est pas exclue. Un ennemi aux abois est toujours plus dangereux. Méfiance. Voilà pourquoi je travaille sur des équipements de combat nouvelle génération. Je suis désolé. Je ne sais pas si tout sera prêt à temps. Allons, allons, prof. Bonne nuit de sommeil, vous serez d'aplomb. On n'a pas combattu jusqu'ici pour abandonner maintenant. On compte sur vous. Il n'y a jamais trop d'armes dans l'arsenal du guerrier. Merci de vos efforts, professeur. Mais prenez soin de vous aussi. Professeur, je vous jure qu'on va tout faire pour que cette guerre prenne fin. Et vite! Alors, c'est un défilé pour qui cette fois? De la lingerie Christian Rabanne. Tu connais? À quelle heure? Dis Jean, tu n'as pas oublié qu'on doit avoir notre attaque ce soir. Je veux des photos! T'inquiète pas Jean, je te ramènerai un catalogue. Et surtout, sois à l'heure demain! Pas de problème, chef. Thank you.
Soldats, au rapport! Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt! Je suis prête! Bien, lancement de l'opération! Compris! Margarine, c'est une attaque Lexos! Alerte au maximum! Bien compris, professeur! Je vous mets en contact immédiatement! Ici Yellow Baguette! Ici Bleu Accordéon! Ici Black Beaujolais! Ici Red Fromage! Que se passe-t-il? État d'urgence! Les Lexos lancent une attaque au point B65! Allez-y sur le champ! Bien compris! Professeur, je n'ai pas réussi à joindre Pink. Il semblerait qu'elle ne puisse répondre à son transmetteur. Catherine. Attention, tenez-vous prêts! Qui a bien pu causer une panique pareille? Un Lexos trêve lâché en pleine ville! Oui, et pas n'importe quel a priori. On reste en garde. Yellow, tu reconnais l'endroit. Blue, Black, cherchez s'il y a des blessés. Et toi, tu es mort. Voilà donc les France-Paille. Niais, oui, ce sont eux qui... Et toi, qui es-tu? Je suis Zakaral, prince héritier de l'Empire Lexos. Et accessoirement, votre pire cauchemar. C'est donc ça, les tout-puissants France 5. Ne crie pas avec toi trop vite. France 5, transformation. Red, Romain, Blue, Accordéon, Yellow, Baguette, Beaujolais! France 5! En garde! Niais, soyez prudent, maître. Il suffit, valet! Je n'ai que trop rarement l'occasion de tuer. Silence! On va se faire repérer. Aïe! Aïe, ça a pas la tête, non? Pas les pattes! Bouja! Quoi, quand je pense au nombre de fois où je t'ai sauvé la vie, princesse? Il y a toujours quelques cafards pour se faufiler dans les rouages de ma réussite. Tant pis pour eux. Va, Pyrostrum! Et détruis mes ennemis! Mais que fait-il? Je ne sais pas, mais on va s'occuper de lui. En avant! Tu vas voir, toi! Attention! Très bien! Ultra, comme en blé! Oh! Ouais, mais... Vous n'êtes que des rats face au tigre que je suis. Ça va, Antoine? Rien de cassé? Non, ça va, mais il est redoutable. Attaque, défense, il n'a aucune faille. Je ne donne pas cher de nous à ce rythme-là. Vous m'avez assez amusé, les France 5. Adieu. Attention! Ah! Attends, moi j'ai trouvé quelque chose ici, alors tu vas m'écouter. Et pourquoi je te croirais?
Arrête, je ne suis pas ton ennemi. Aïe. Et toi, je te déteste. Toi, tes mensonges, ta méchanceté envers Antoine. Regarde, c'est moi, moi. Attention. Aramis, ça va? Je suis désolé, j'espère que je t'ai pas... Ah, c'est rien, tu tapes vraiment comme une mauviette. Quoi? Mais... Ah, mais tu es bien trop naïf, Antoine. Tu crois que c'est parce que je m'écroule que je suis déjà mort? Allons. De toute façon, tu sais, j'avais vraiment pas frappé fort. Par contre, avec ça, tu fais fort. Mais, comment t'as... Et je peux savoir ce que tu allais faire avec ce bel objet? Mais c'est que ça brille, monseigneur. C'est pas du toc, ça, monsieur. Rends-la-moi! Ça te regarde pas! Eh, hey, je sais pas si vous avez entendu, mais le repas est prêt. Ben, quoi? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Ça va? T'es tout rouge. Bon, bah, Antoine, je te laisse. Je crois que t'as quelque chose à dire à ma cousine. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu pourrais m'expliquer? Écoute, Sophie, il y a longtemps que je voulais t'en parler. Je pense qu'il est temps pour toi et pour moi, si tu veux bien. Oui, Antoine. Pauvre France 5 sans défense. Ah, cette fois. Oui, c'est la fin, tu peux le dire. Dommage que vous ne soyez pas là pour assister à l'explosion de la Tour Eiffel. Impossible. Aucun Lexos ne peut... Tu sous-estimes notre puissance, misérable humain. À l'heure où je te parle, nous préparons des attaques à partir de points précis qui auront raison de votre totem. Tu parles trop, Valet. Professeur, vous avez entendu? Que devons-nous faire? Bien joué, Antoine. Maintenant, il faut trouver les points dont il parle. Margarine, envoie image satellite sur l'écran. Tout de suite, professeur. J'ai trouvé Koala. Antoine, j'ai réussi à localiser précisément les coordonnées des sites. Essayez de vous y rendre le plus vite possible. Bien compris. Quel plan machiavélique. Nous n'avons pas le temps d'en discuter. Filez au premier point. Je le retiens. Mais c'est de la police, hein. C'est un ordre. Oh. C'est trop tard, Spy. J'en suis pas si sûr. Tcha! Tcha! Red Flash! Ils se sont enfuis, maître. Mais ne vous inquiétez pas, leurs forces ont diminué. Imbécile! Je le sais bien. Ce qui me chagrine, c'est que je ne pourrai contempler leur sang sur mes mains.